avec le capitaine des Léopards d'Aquitaine, Thomas Lasven, 38-18 ce soir. Deux phases, deux visages pour ton équipe, Thomas. Une première mi-temps catastrophique. Et une deuxième mi-temps, on va essayer de raccrocher le wagon un petit peu, mais c'est clair que contre Carcassonne, c'est trop tard, quoi. Ouais, je pense qu'on fait, la même entame que Toulouse le week-end dernier. Et une entame vraiment catastrophique, que des fautes au premier tenu. Et forcément, contre une équipe comme Carcassonne, ça paye cash direct. Donc voilà, c'est un match très compliqué, comme Toulouse le week-end dernier. Je pense qu'on est un peu dans une mauvaise passe, mais voilà, il faut se réveiller. Je pense que ça nous a fait un peu redescendre les pieds sur terre. On fait quand même un bon match contre Avignon, on gagne deux fois à l'extérieur et on fait quand même un bon match contre Lézignan. Ouais. Je pense qu'on s'est vu un peu grand et voilà, après c'est juste continuer à travailler et avoir un autre état d'esprit rapidement parce que ça va être très compliqué sinon. Ouais, il va falloir gagner à domicile, Thomas, il n'y a plus le choix. Là, il y a Saint-Gaudens qui arrive samedi prochain à 19h30 au stade Max Crouzier. Il va falloir donner des points aux supporters également qui sont venus encore nombreux à Max Crouzier malgré le froid. Qu'est-ce qui manque pour cette entame, Thomas? Parce qu'on le savait que c'était important les 15-20 premières minutes des rencontres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Non, je n'arrive pas trop à l'expliquer. Tu rates une entame, tu fais une faute d'entrée. Je pense que ça nous tue tous un peu. Après, forcément, on pense aux supporters et on avait à cœur de gagner aussi ce match contre un gros du top 3, je pense. Et je pense un peu trop de pression. Je sais pas, en vrai, j'ai du mal à l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'aucun joueur arrive à l'expliquer. C'est changer notre état d'esprit et se remettre rapidement dans la compétition et faire de très bons entraînements. Et voilà, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Mais il y a un travail sur la semaine qui va être fait avec Loïc Carpen également, avec Olivier Jean-Zac. Et on sait que vous allez revenir encore plus fort pour Saint-Gaudens. Seulement une dernière question. Les jumeaux Davis, Curtis et Connor, ils ont fait une belle rentrée. On attendait qu'ils se mettent en place un petit peu avec vous. En fin de compte, ils sont rentrés dans le jeu directement. Hein. Ouais, je pense qu'on les a quand même bien intégrés cette semaine à l'entraînement. Ça fait déjà 15 jours qu'ils s'entraînent avec nous. Je pense qu'ils se sont bien intégrés. Ils ont bien adapté au plan de jeu. Après, depuis le début qu'on a commencé, ils ont regardé tous nos matchs à la télé. Donc voilà, je pense, franchement, j'ai rien à leur reprocher. Belle adaptation. Belle adaptation et un très très gros match. C'était pas facile pour eux, les pauvres, mais voilà, très content de ces deux recrues. Je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup de plus. C'est sûr qu'on n'a pas pu les voir, je pense, à leur meilleur niveau, mais comme toute l'équipe a été mauvaise, mais voilà, après ça va aller. Je pense, j'ai confiance à l'équipe, je sais que tous les joueurs savent qu'ils n'ont pas fait un bon match et voilà, ça va revenir. On se retrouve samedi prochain pour la 7e journée des Litunes face à Saint-Gaudens avec d'autres intentions, on espère. Bien sûr, pas de souci. Merci Thomas, merci.